pas trop dépaysé hein. Salut les petits potes, nouvelle journée, nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est un peu... Vas-y, nique sa mère le masque, c'est bon de toute façon on est dans la rue. Aujourd'hui c'est un peu spécial, Aujourd'hui, pour changer, je vais vous faire un petit vlog et je vais en profiter pour parler avec vous un peu, pour faire le point sur la chaîne, pour faire le point par rapport aux abonnés YouTube, à tout ça en fait, à parler un peu avec vous. Mais en même temps, ne vous inquiétez pas, on va visiter un truc vraiment cool qui va vous plaire pour les passionnés, comme d'hab. Toujours les passionnés, tu vois. Toujours les passionnés, quoi. Non, mais vous allez kiffer. Donc, on y va, c'est parti. Logiquement, c'est censé être par là. C'est tout droit. Il fait super beau aujourd'hui et ça fait plaisir. Enfin, j'ai failli tout faire tomber, t'es mort. Je vous explique, aujourd'hui je vais vous emmener dans un lieu qui s'appelle Up Garage. Up Garage, c'est quoi en fait? C'est une enseigne qui vend des pièces de bagnole. Je vous ai dit, c'est une vidéo pour les passionnés aujourd'hui. Et je postillonne sur l'objectif, ouais. Qui vend des pièces de bagnole justement d'occasion. Donc vous pouvez trouver de la pièce Nismo, de la pièce Fujitsu. Que des pièces de malade en fait, et aussi des pièces basiques pour ta bagnole, des jantes, des sièges, des ce que tu veux. Et j'ai vraiment envie de visiter ça avec vous parce que c'est un truc qu'on n'a pas en France. Et j'ai un putain de postillon qui veut pas partir. Voilà, ça y est, il est parti, ça va mieux. Et du coup, ouais, je voulais visiter ça avec vous parce qu'on n'a pas ce genre de truc en France et je trouvais ça super intéressant de vous montrer ça en vidéo et en même temps de discuter avec vous, faire un vlog, tu vois, qui puisse nous rapprocher à nous, la communauté, tu vois. Et nous rapprocher, je trouve que c'est important. Surtout qu'en ce moment, vous êtes de plus en plus à vous abonner. Voilà. Alors les vidéos, il y a des vidéos qui font plus de vues, d'autres qui font moins de vues. Voilà. Mais sachez que c'est hyper important de vous abonner à la chaîne. C'est gratuit. Voilà. Hein. Je ne demande pas d'argent. Il n'y a pas de donation comme sur Twitch. Il n'y a pas de subscribers. Il n'y a pas de PayPal. Il n'y a rien de tout ça. Il y a juste tu t'abonnes, tu cliques, tu regardes des vidéos, tu lâches un petit commentaire, tu lâches un petit like. Ça fait toujours plaisir. Et ça, c'est vraiment... ça mange pas de pain, mais je vous jure que c'est hyper important. Et en plus de ça, ça me donne la motive pour continuer à vous pondre du contenu. Et il va y avoir encore tout plein de trucs qu'on va découvrir ensemble et surtout sûrement un petit voyage à Osaka qui va se faire incessamment sous peu pour aller voir les Conjurizer. Et ça, vous allez péter un câble. On la reconnaît hein, on sait d'où elle vient. Il y a celle-ci aussi, petite 180SX, deuxième 180SX, la petite Mazda que j'adore, le gros monospace des familles bien tuné. Et c'est parti, vidéo Up Garage, tout de suite maintenant, c'est parti. Ok, nous y sommes, nous y voici, nous y voilà, enfin. Le Up Garage de ces morts, il est là. On va s'y infiltrer, je vais vous faire un one shot à l'intérieur. Et surtout, les gens, vous me demandez souvent, mais Dashi, avec quoi tu filmes tes vidéos? Alors, j'utilise une caméra Insta 360 de temps en temps, la vidéo pour la Ferrari, j'utilise l'iPhone 12 Pro Max comme tout de suite maintenant quand j'ai envie d'être un peu plus soum-soum, un peu plus... Et pour les grosses vidéos, j'utilise ceci, un Sony A7C avec une lens en 14 mm de chez Sony G-Master, voilà, et un micro... c'est un micro Rode, hein. C'est juste la nénette qui n'est pas Rode, mais sinon c'est un micro Rode. Et un autre support, c'est pas le support Rode parce que le support Rode il pue la merde. Bref, revenons à nos moutons. On arrive déjà sur un monospace, il est énervé. Il est juste énervé. Allez, c'est parti. On va s'insérer à l'intérieur avec des belles petites jump forks. Ça lui va bien, carrossage négatif comme never. Donc en fait, Up Garage, c'est quoi? C'est le shop qui est ici et ici, le garage pour faire monter ses pièces. Et là, vous avez le parking où les gens se garent. Bon, je vais essayer de la jouer discret. Un beau petit Honda Odyssey. Garage, en fait, en gros, vous avez la masse de pièces d'occasion. Tu vois, il y a des trucs qui sont à même le sol comme ça à l'arrache. Là, on a des amortisseurs. Alors, les prix, voilà, c'est du Tain 40 000 yens. Ça fait à peu près un peu moins de 400 balles. Imaginez-vous, 40 000 yens, c'est 400 euros. Arrondissez comme ça. Ouais. Donc, là, on a des amortos de partout, de partout, de partout. Ici, on a des échappements. Voilà, TRD, ça c'est pour GT86, Hachiroko comme ils disent au Japon. La cartouche, le gros silencieux là, il y en a pour 15 900 yens, c'est que dalle, c'est 160, 150 euros, même pas. Tu vois, il y a même de la visserie et tout comme ça, là, c'est simple. Là, on a des postes aussi d'occasion. Putain, ça vaut que dalle. 40 balles le poste avec l'écran et tout. Bon, par contre, tu te démerdes, hein. The B, tu le poses toi-même. Hein.
Ça coûte que dalle tout ça, c'est ouf. Putain, mais il y en a. Eh, franchement, c'est un truc de ouf. Et carrément, c'est quoi? C'est un truc de DA, ça. Il y en a de partout. Il y en a de partout, tu vois, il y a de la jante. Il y a encore de l'échappement ici. Mais non, il y a des blocs. Mais c'est quoi comme bloc, ça? Oh, je sais pas du tout, c'est un bloc de quoi? C'est un bloc Toyota, ça c'est sûr, mais c'est un bloc de quoi, je sais pas. VVTI. Ah ouais, carrément, il y a des boîtes de vitesse et tout. Oh, c'est insane. C'est insane. Là, putain, il y a un collecteur, là, les mecs. Il y a un collecteur, il est beau. Il est beau, le collecteur. Là, pour les passionnés, là, tu vois, attends, je vais aller voir le collecteur. Ça, c'est... C'est un collecteur de quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est un collecteur de 6. Pour un 6 en ligne, ça doit être pour un JZ. On a encore un moteur là. Putain, il est beau le bloc là. C'est un bloc de quoi ça? Je sais pas si c'est un bloc de quoi, mais il est beau. 50 000 yens, 500 balles le bloc. Allez, on va continuer ce petit tour. C'est la première fois, moi, en 10 ans de Japon, que je viens dans un hub garage, les mecs. Donc, soyez indulgents sur la vidéo. Thank you for your cooperation. One way, tu peux aller que dans ce sens-là. Mais nous, on va regarder là, tu vois, là, il y a des pièces un peu plus chères. Arc Climax, 38 000 yens, 320, à peu près 350 euros. Là, on a des échappements. On a des radiateurs. Intercooler, ça. Intercooler. Tu vois, ils vendent même des caches moteurs. Radiateur d'huile. Putain, c'est énorme ça. Ne dis pas que je filmais en mode flou depuis tout à l'heure. Hein. Bon, il faut surtout pas toucher l'écran, sinon ça fait de la merde. Connecteur d'admission de ouf. Combien ça coûte ça? 16 900 yens. Le collecteur d'admission, 150 balles le collecteur. Ah oui, faut pas que j'oublie. One way. Donc faut pas que je revienne dans l'autre sens, je marche que dans ce sens. Il y a même des compteurs Nismo. 1300 euros le compteur Nismo. Ça, c'est un truc de R34, j'ai l'impression. On a les manos de partout, ça c'est du neuf. Ok, bon là on a de la gaine, tout le bordel, etc. Tu vois, sans interdit. Il faut pas passer par là. Alors là, tu as le turbal complet, tout est vendu en kit, je crois, j'ai l'impression. Ouais, 50 000 yens, BMW 530i. Ça, c'est de la pièce d'occasion. On a des volants aussi. Je vais voir, est-ce qu'il y a du Nardi? Ouais, il y a du volant Nardi. 21 000 yens, ça fait 200 balles. Ça, tu vois, dans une 240Z, ça pète ses morts tout de suite. On a des sièges Bride. Tu vois, les baquets comme ça, là. La paire, 3000 euros. Ça reste raisonnable pour la marque. Après, on a des baquets Up Garage, tu vois. Ça, si tu veux te faire un simulateur pour pas cher, tu viens ici, tu t'achètes un truc comme ça d'occasion. Bon, je t'ai pas dit d'acheter un Bride à 3000 euros, hein. Enfin, une paire. Là, c'est la paire, c'est les deux à 3000 euros, c'est pour ça que c'est ce prix-là. Encore des amortos. On a des pièces châssis ici. Ok, là, on a de la barre. C'est quoi? C'est de la barre anti-roulis, ça. On peut tester les klaxons, comme vous venez de l'entendre. Il y a un zouave qui a appuyé, il a pas pu se retenir. Système. C'est quoi? C'est un système de suspension à air, ça? J'ai l'impression que c'est à vendre. 3000 euros, pareil. 299 000 yens. On continue. Lui, il est venu avec sa petite Emily, c'est pas mal. Là, on a des amortisseurs. Là, on a les ressorts. Ressort, ressort. Ok, on va avancer. Là, c'est pas très intéressant. Cartouche d'échappement. Tu vois, 300 balles, une pièce d'occasion. Bon, regardez, je vais zoomer dessus, enfin zoomer, je vais m'approcher comme ça, vous pouvez voir que le truc est quand même en bon état. Hein. C'est Jasma. Ouais, les Jasma, il me semble que c'est la norme au Japon. Exas. C'est une norme Jasma, il me semble. Corrigez-moi si je me trompe. Mais vous voyez que le truc, pour même pas, ouais, ça doit être 250, 260 euros. Vous avez un truc propre, franchement. Et tu vois, quand tu veux faire du custom sur une caisse, tu peux venir ici. Alors là, des baquets, il y en a un, tu vois. Donc là, tu as un baquet Bride, 80 000 yens, 800 balles le baquet à l'unité. Et après, si tu veux te faire un simulateur, tu vois, tu peux t'acheter un baquet à la con. Tu n'es pas obligé d'acheter un baquet à 100 000 yens. Là, il y a des sièges Recaro, il y a des sièges d'Integra.
Putain, il est à l'ancienne celui-ci, il est ouf. C'est mi-cuir. On a des tenues. Tu vois. Truc officiel, on a une tenue. Ah non, j'ai cru que c'était une tenue de pilote, mais c'est un manteau. Ouais. C'est ouf. Putain, 20. Alors ça par contre les mecs, ça vaut une blinde. Tous les trucs comme ça, vintage de marque automobile, Nissan, Nismo. Donc là c'est un truc qui doit avoir je pense une vingtaine d'années, 200 balles. S-Road, comme ça. Ça sera un business à faire, tu vois. Là on a des glissières, tout ce qui est glissière pour les sièges baquets. On a même, vous voyez, il y a même de la pièce d'origine. Donc tu vois, si tu recherches ces sièges-là, c'est moi qui fais ce bruit-là, non, c'est pas moi. Si tu recherches ces sièges-là pour une Alfa Romeo, tu les as ici. Tu vois. Et 5000 balles, ça fait 50 euros le siège, c'est pas cher. Hein. Un mec qui recherche la pièce de collection qu'il n'arrive pas à trouver, il voit ça 5000 yens, il prend direct. Donc on a du siège bébé aussi, pour les mouflés. On a un siège mini. Je vais continuer par là, je préfère, ouais. One way. Parce que vous avez vu, j'ai pris le sens interdit. Putain de gaijin. Putain de gaijin. Ça c'est du neuf, c'est des volants. Là on a des optiques. Des feux avant, vous voyez, il y en a partout. En fait, ce que je trouve bien fait, c'est que si t'as un petit accident avec un tout petit peu de dommage ou des conneries comme ça, ou des pièces à changer sur ta caisse, t'es pas forcé d'acheter du neuf, tu vois, tu peux venir ici, et s'ils ont, par exemple, un optique de phare qui est terni, tu viens ici, tu regardes, ah ouais, ils les ont, c'est bon, tac, t'achètes, c'est d'occasion, c'est pas cher, et c'est fonctionnel, puisque c'est contrôlé, hein, avant d'être mis à la vente. Donc là, t'auras Sono, tu vois, Olivier, qui fait claquer la cassette de décibels. Des plages arrière, putain, c'est ouf. Alors ça, je sais pas ce que c'est, ça. Faut oser quand même acheter ça. Type One 1985. Oh, la pièce, elle est plus âgée que moi. Ça, c'est des trompettes pour jouer la trompette. Ah, et là, oh, putain, il y a carrément de la calandre, mais non. Putain, mais il y a vraiment, mais c'est ouf, quoi. Il y a tout. Et c'est classé par marque, tu vois. Genre là, t'as Toyota, là, t'as Subaru. C'est ouf, ça. Tu vois, tu veux te faire une déco chez toi? Bon, là, c'est pas des calandres, elles sont pas ouf. Ça, c'est si tu pars en vacances, des galeries. Calandre Merco. Calandre Honda. Toujours One Way. Pour éviter que les gens se rentrent dedans. Parce qu'à mon avis, le week-end, il va y avoir du monde ici, je pense. Voilà. Qu'est-ce que ça donne après ici? Là on va mettre la pièce, ça c'est quoi? C'est des accoudoirs. Ah ouais carrément, putain, mais ils vendent vraiment tout quoi, c'est impressionnant. Pièce d'occasion, c'est des optiques ça, de Crown j'ai l'impression. Crown, Toyota Crown. Allez, on va se faire le deuxième étage. C'est Partix. Deuxième étage. Pièce de collection les mecs, le compteur Nismo là pour R34. 1300 balles, là on a du freinage, tu vois, freinage d'occasion. On a même des freins de Porsche. C'est pas. Oh, ça c'est beau ça. Ça c'est beau ça. Petite jante Volk comme ça là. Écoutez, on a fait le tour en haut, c'est juste en fait, c'est un endroit où ils vendent des scooters. Il n'y a pas de, pièces, il n'y a rien. On va continuer par là. Je pense que on va sortir un petit peu. Voilà. On va retourner voir ce monospace de ces morts qui est complètement claqué au sol. Et il est insolent le monospace. Il est complètement insolent. Écoutez les petits potes. J'espère que la vidéo vous a plu. Il y a une autre vidéo qui arrive dimanche dans la logique des choses. Donc n'oubliez pas de vous abonner. Je vous fais des bisous, je vous dis prenez soin de vous et vous savez quoi, à chaque fin de vidéo, je vais vous mettre un truc que j'ai filmé quelque part, qui n'a rien à voir avec la vidéo, qui est toujours connecté par rapport à l'automobile, mais je vous mets toujours une petite séquence pépite comme ça. Peace, prenez soin de vous, salut. Incroyable la Z4. Oh. Oh, c'est quoi ce truc de ouf? Incroyable. Celle-ci, je la connais.
Oh la vache, mec. Elle est incroyable, elle est vraiment, elle est folle, crois, la taille des pneus. Mais c'est quoi cet engin de mort? Mais qu'est-ce que c'est que cet engin de mort? Oh, j'adore, je suis complètement fan.